J'ai le plaisir de vous présenter l'Atrium, qui est une résidence pour jeunes étudiants, pour jeunes travailleurs, qui a été créée à Thiers en 1975 à l'initiative de la mairie et de la chambre de commerce pour pouvoir accueillir les jeunes travailleurs nouvellement arrivés sur le bassin. Aujourd'hui, c'est un établissement qui comporte 90 logements qui vont de la chambre individuelle en passant par la studette, en allant jusqu'au studio et tout équipé. On est également équipé de 7 chambres collectives qui permettent de loger des équipes sportives par exemple ou des troupes d'artistes lors d'un événement. Et l'Atrium bénéficie également d'un self tout fait maison avec 2 cuisiniers, 2 métiers et également du personnel de soutien qui alimente un restaurant donc d'une centaine de places qui accueille en moyenne les midis entre 80 et 130 personnes quotidiennement. Autre richesse de l'Atrium, c'est une équipe de 13 personnes qui permet de faire vivre le bâtiment, d'être à la disposition de nos résidents. Et l'une des particularités de notre établissement, c'est d'avoir dans son équipe 2 animatrices qui ont la charge de créer de la vie pour les jeunes de 16 à 26 ans, voire 30 ans, qui sont logés à l'Atrium. Ces jeunes-là, en général, sont des jeunes en apprentissage, des jeunes étudiants, des jeunes en intérim, en CDD, en CDI, en stage ou en formation. Et la vie collective est animée notamment le soir par des ateliers cuisine, par des ateliers de rencontres, pourquoi pas avec des chefs d'entreprise, sur des thématiques qui vont permettre aux jeunes de se préparer pour leur future vie professionnelle. Une personne qui va prendre quelqu'un dans son entreprise, il va se dire, ben voilà, cette personne doit avoir quelle qualité ? Voilà, donc on a des rencontres avec des psychologues dans le cadre de recrutement par exemple, avec des agences d'intérim, avec des chefs d'entreprise, soit artisanales, soit commerciales, soit industrielles, histoire de donner aux jeunes qui vivent à l'Atrium une représentation de leur future vie professionnelle la plus précise possible, leur permettant de se faire une idée, peut-être d'avoir des informations pour leur permettre de maturer leur réflexion et de s'orienter plus facilement que s'ils étaient tout seul dans leur appartement, n'importe où à Thiers. On essaye à ce titre-là de développer des partenariats, notamment avec les institutions, notamment avec les chefs d'entreprise, de façon à ce que l'Atrium soit vraiment un lieu de rencontre, permettant à chacun de se sentir concerné par l'avenir des jeunes et peut-être par des futurs recrutés pour les entreprises qui viennent intervenir à l'Atrium.